Et salut, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera sur les Sims 4. Ce sera une des premières vidéos sur les mods. Donc, j'aimerais lancer une nouvelle série sur la chaîne où je vous partagerai plein de nouveaux mods différents pour les Sims 4. Et également, il y en aura pour les Sims 3. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée aux sliders ou presets. Je crois qu'il y a les deux façons pour les dire. C'est tout simplement, si vous ne connaissez pas, les modifications de corps qu'on peut modifier. En fait, ce sont des mods qu'on ajoute sous format package dans le jeu des Sims 4 et qu'on pourra modifier les corps comme on le souhaite. Donc il y a certains qu'on peut créer, comme par exemple ici, donc là on est sur le Tumblr de Vivrant Pixel qui est la plus connue, qui était une des premières je crois à avoir créé ces mods. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait depuis, je crois que ça fait déjà peut-être un an ou deux, je suis pas sûre, qu'elle a créé ces sliders. Donc là le premier, on peut voir que en fait on peut agrandir les bras mais également d'autres parties du corps. Donc tout simplement vous téléchargez et vous mettez dans votre jeu dans le dossier mods. Il n'en existe pas que seulement pour le corps mais également pour les yeux, les lèvres et d'autres parties du corps. On va découvrir tout ça. Donc là on est sur Vibrant, on ne sait plus principalement le corps et les lèvres. Donc là on peut voir un body slider qui permet également d'élargir les hanches. Donc pour certains peut-être que c'est un petit peu superflu, mais pour certains d'entre nous, ça rajoute de la diversité dans le jeu et également des corps beaucoup plus réalistes. Donc je trouve que c'est une bonne idée. J'en avais téléchargé quelques-uns au tout début, après je les ai enlevés, après je les ai remis, mais je trouve que c'est une bonne alternative pour avoir des Sims très différents. Et je trouve franchement que les PNJ qu'ils nous créent, ils sont vraiment parfois les épaules vraiment très rapprochées et les bras qui partent vers tous les sens, qui sont pas du tout des corps réalistes. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Là on a donc, on peut élargir également les mollets. Oui c'est les mollets, j'étais pas sûre. Après donc où est-ce qu'on est? On va voir la deuxième page. Il y a d'autres, donc là ce sont les presets pour les lèvres. Donc vous voyez, vous avez un petit peu des lèvres plus pulpeuses. Là un petit peu plus fine, la lèvre du bas par rapport à celle du haut. Bon, c'est pas, c'est très très léger sur celle-là. Mais il y a d'autres presets où on voit beaucoup plus. Là on va voir donc des presets pour le corps des hommes. Et donc là on aura une grande différence qu'on n'a pas du tout dans le jeu. On va voir ça de suite. Donc on a différentes tailles. Donc du corps vraiment très très maigre au plus volumineux. Avec également les abdos. Et oui, tout le monde va avoir des abdos. Donc là on a quelques photos pour montrer à quoi ça ressemble dans le jeu. J'aime bien l'effet de la photo, ça fait très très vintage. On dirait une vieille photo des années 70 et la pose, enfin la photo elle est tout simplement super jolie. On va ensuite regarder ce qu'elle a d'autre. Donc là c'est pour les femmes, donc vous voyez bien la différence, on n'a pas du tout ce corps là dans le jeu. Après on peut également le manier comme on le veut, on peut agrandir la poitrine ou l'aplatir. Il y avait d'autres presets je crois pour femmes, voilà. Alors hop, je vais pas ouvrir les pages en fait pour vous montrer que en fait tout se trouve sur sa page et vous cliquez sur My ici, il y aura juste un petit truc à cocher et après vous avez tous les CC qui arrivent. Donc c'est le contenu personnalisé, mods, plutôt un mods parce que ça modifie vachement le jeu mais c'est sous format package donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas modifier le script de votre jeu, ça sera juste comme un CC package de déco ou comme coiffure. Là on peut voir donc qu'on a une des lèvres beaucoup plus grande et en fait on peut avoir l'aperçu de des dents de la Sim 7 qui fait très naturel. Bon, c'est assez rare d'avoir une bouche comme ça quand on ferme mais c'est sympa pour des photos, pour animer un petit peu votre jeu, pour avoir des photos diversifiées. Alors on va juste regarder maintenant, donc j'ai ouvert quelques onglets en haut. Alors, donc celui-là, on l'a vu. Je vous mettrai également les liens en barre d'infos, en description. Donc, ne vous inquiétez pas. Désolée pour les petits hicks, mais je fais très peu de montage car j'aimerais que ce soit le plus naturel possible dans les vidéos. Et en même temps, les vidéos YouTube, c'est un petit peu un exercice pour que j'articule mieux car je parle très 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 vite dans la vie courante, dans mon quotidien. Donc, ça permet de m'exprimer et de m'exercer pour parler beaucoup plus doucement. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc là on a d'autres body presets pour femmes donc, qui sont encore plus réalistes que les précédents je trouve. Et ça fait très body positif. Et franchement ces Sims 7 elles sont canon dans leur maillot de bain. Et je trouve vraiment que
Les corps sont magnifiques. On peut voir un petit peu les vergetures, un petit peu comme dans la vidéo précédente que je vous ai mise sur la chaîne, qui, je pense, oui, cette vidéo, je la mettrai plus tard, sur les modifications de corps également plus réalistes, mais plus au niveau du visage, des grains de beauté. Là, on peut voir donc les vergetures et des petits grains de beauté ou comme des taches en haut qui sont vraiment très réalistes. Là, on a d'autres trois corps qui sont vraiment très très différents. Un qui est plutôt musclé, un avec des formes beaucoup plus volumineuses et un qui est un petit peu entre les deux, musclé mais avec des petites formes. Donc je crois que celui-là, c'est pour... il se trouve également dans le Créa Sims Homme, mais également dans celui des femmes. Et là, on a en plus trois jolies petites bouches, pas du tout symétriques, mais très naturelles et qui sont super jolies. On passe désormais à ce preset qui est, je crois, principalement sur la poitrine. Oui, enfin, il y a le corps qui va avec, mais la poitrine qui est le petit plus qui modifie. Elle a une poitrine beaucoup plus rebondie, comme on peut voir là, et elle est beaucoup plus ronde et plus en avant. Donc ça fait une poitrine différente par rapport à d'autres sims. Ça fait également un autre mode qui modifie carrément la largeur de la poitrine, qui peut faire très très large et très très rapprochée. C'était sur mode de Sims, mais ça fait pas très très réaliste. Enfin, ça fait vraiment trop. Après, les PNJ vont avoir des seins vraiment trop bizarres. Un qui est hyper rapproché, l'autre qui est carrément à l'autre côté du corps. Du coup, je ne le présente pas. Je pense qu'il n'est pas très nécessaire et vous fera des Sims un petit peu bizarres. Après, sur d'autres sites que Vibrant Pixel, j'ai également trouvé ce preset. Donc également avec des formes très très volumineuses, donc très jolies également. J'aime beaucoup, enfin ça change vraiment des Sims parce que je trouve que quand on met les Sims vraiment au maximum, ben en fait ils ont un petit peu tous le même corps qui se ressemble. Et là on a vraiment le détail sur les épaules, les hanches surtout, et au niveau du buste, de la poitrine, enfin au niveau de tout le corps que ça change. Et il y a même ce preset là que j'ai téléchargé qui était plutôt pas mal je trouve, qui fait un double menton. Bon, c'est sûr qu'on ne voudrait pas avoir un double menton sur son propre sim si on se fait dans le jeu. Même en vrai, on aimerait ne pas l'avoir du tout. Mais je trouve que c'était vraiment un détail très réaliste et super bien fait. Du coup, je l'ai téléchargé. On va regarder tout ça après dans le jeu, donc juste à la deuxième partie de la vidéo où je vous présente tout dans le gameplay. Et là, on a également un autre corps, donc deux autres corps, un qui est musclé, mais pas trop non plus, et un autre avec des formes également généreuses, mais qui est différente des autres, avec des enjeux développés et une poitrine vraiment très généreuse. Et je crois que pour tout cela, c'est tout, je regarde juste si j'ai pas d'autres presets à vous montrer. Après également, il y en a beaucoup beaucoup sur internet, mais je pense que ceux-là sont les meilleurs et les plus réalistes qu'on peut mettre dans le jeu. Il y a également, là c'est quoi? Ce sont les lèvres. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Là en fait, c'est pour voir un petit creux au niveau du menton. Bon, moi je suis pas trop fan de celui-là, mais pourquoi pas. Et celui-là ici, je l'ai également dans mon jeu que je vais vous montrer tout de suite. On se retrouve désormais dans le jeu des Sims 4 pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le jeu. Donc là c'est une première bouche que j'ai téléchargée, à quoi on peut voir elle ressemble. Donc de profil ça fait un petit peu bizarre, mais de face, enfin, c'est très joli. Il y a également celle-ci qui ressemble plutôt à cela. Là on a une forme un petit peu plus dessinée sur la lèvre du haut. Donc voici les quelques lèvres. Donc c'est là que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très naturelles. Donc là je lui ai mis un petit rouge à lèvres, mais sans rouge à lèvres ça fait ça. Et il y a également celle-ci qui est plutôt pulpeuse. Donc moi je pense que je vais lui laisser on va mettre celle-là. Et si par exemple on met un rouge à lèvres un peu plus peps pimpant, bah ça fait quand même des lèvres très jolies. Ça fait pas un truc bizarre avec la lèvre, vu qu'elle est pas très si parfaite que ça, vu que personne n'a de lèvres parfaites comme dans les Sims. Bah celle-ci je trouve que bah ça rend plutôt pas mal. Et on va regarder maintenant les modifications au niveau du corps. J'ai fait donc deux Sims, un homme et une femme, pour vous montrer les deux. On va la mettre plutôt en pyjama ou maillot de bain peut-être. On voit pas trop, j'aurais dû lui mettre un maillot de bain de pièces. Le
maillot de bain, on va lui choisir un maillot de bain qui ressemble un petit peu comme sur la photo qu'on avait vue. Non, j'avais pas de brassière. Bref, on va lui mettre celui-là. Et donc, vous allez dans corps et dans corps et peau. Et là, vous avez tous les presets qui s'affichent. Donc celui-là, bon, en fait là je lui ai rien mis du tout. On a le premier donc qui était très musclé, celui-là qui peut un petit peu moins, et celui-ci avec la poitrine. Bon, là c'est très très léger, mais là vous voyez que sur celui-là la poitrine est vraiment comme ça là, elle part vraiment la bistourfly vers le haut. Et même si vous la grossissez, bah, en fait elle sera toujours un petit peu comme ça vers le haut. Bon après j'aime pas toutes mes Sims, mais on peut en mettre à quelques-unes. Donc on va lui laisser. Donc en fait on peut pas mettre deux presets. Par exemple, si vous souhaitez ce preset là et celui avec la poitrine, il faut choisir entre les deux. On peut pas avoir les deux. Donc faudra faire un choix. On a également celui-là. Donc et celui-ci. Donc après on peut toujours modifier la taille. Mais si par exemple vous choisissez celui-là et vous la maigrissez au max, là bah du coup elle est très très musclée, enfin elle sera toujours très musclée hein. Mais là ça fait vraiment très très masculin. Après chacun ses goûts, mais moi je ne trouve pas que ça fait très avantageux. Et par contre là du coup si je mets un preset, ça va faire un truc bizarre je crois. Je l'ai essayé tout à l'heure. Ouais, il faudra revenir en arrière pour avoir le preset original, puisque si vous modifiez là et que vous mettez un preset par-dessus, ben en fait le preset sera pas du tout comme il était créé à l'origine. Et on a également celui-ci. Donc moi je pense que je vais lui mettre ah voilà. Donc là je lui ai mis celui-là et je voulais remettre celui-là, donc le 3. Mais là ça fait un truc vraiment waouh. Du coup il faut faire retour en arrière. Et du coup hop, alors on va vraiment revenir en arrière. Et je vais lui mettre peut-être celui-là. Non, attendez, hop, voilà. On va lui mettre celui-ci. Et je vais lui faire peut-être grossir un tout petit peu. Voilà, comme ça, elle a des formes voluptueuses. On va passer au niveau des hommes, donc pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Donc là, je lui ai mis, je sais plus c'était quelle lèvre. Bah, vous voyez que c'est pas la lèvre originale du jeu. Après, évidemment, vous pouvez la grossir, la rétrécir comme vous le souhaitez à votre guise. Donc ça ne change rien. Et après, vous avez tout le choix, pas les mêmes lèvres que pour les femmes. Au niveau du corps, donc là, je lui ai mis vraiment le corps le plus maigre pour que vous voyez la différence. Donc c'était ce preset-là. Bon, ça fait pas très très différent. Ah voilà, là, il fallait mettre les muscles. Donc là, il est très musclé, là pas du tout. Là, c'est le preset qui se trouve également chez les femmes, mais également pour les hommes. Mais je trouve que ça fait un truc vraiment bizarre au niveau des hanches. Ça fait pas très très beau. Après, il y a également celui-ci, donc qui est de l'autre Tumblr que je vous mettrai également en barre d'infos. Là, vous voyez que ça fait un petit peu très très rapproché au niveau des bras, mais ça fait plutôt un bon détail. Et il y a également, il faudra juste revenir en arrière, celui-là et celui-ci. Je pense que je vais lui mettre le premier qui était resté. Comme ça, on fait. Ou celui-là plutôt. Vous en pensez quoi? On va lui mettre ça ou on le laisse le tout premier? Hop, je vais peut-être prendre celui-là. Voilà. Bon, ça fait très très naturel. Enfin, c'est rien d'extravagant. Je vais lui mettre celui-là comme ça. Et je crois qu'au niveau des mollets, normalement, j'avais mis le mode pour agrandir. Si on agrandit les mollets, en fait, ça devait agrandir une autre partie du corps, mais je ne crois pas que ça fonctionne. Et du coup, pour le double menton, bah, ça m'a pas l'air de fonctionner non plus. J'ai essayé de chercher de mettre bah, dans le menton, mais les mentons, bah, c'est ceux du jeu de base. Après, du coup, je sais pas trop où c'était. Là, c'est les cicatrices, les dents, donc franchement, je sais pas où il se trouve. Mais je pense que pour ces presets-là, je vous ai parlé un petit peu de tout et que je vous les ai tous présentés. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et si jamais j'en découvre d'autres, je vous les mettrai
en barre d'infos, soit en dessous de cette vidéo-là, ou j'en referai peut-être une nouvelle. On verra dans le temps. Je vous retrouve à très vite sur ma chaîne. Bye!